Ce 5 avril 2023, une grande messe en mémoire du prince Rainier III a été célébrée à la cathédrale Notre-Dame de Monaco. Ainsi, le prince Albert de Monaco a assisté à cet office en présence de son épouse, la princesse Charlène de Monaco, et de ses sœurs. Cependant, la princesse Caroline de Monaco et Stéphanie de Monaco étaient elles-mêmes accompagnées de certains de leurs enfants. L'année 2023 est d'ailleurs dédiée à la mémoire du prince Rainier III de Monaco, qui aurait eu 100 ans. Pour rappel, le 6 avril 2005, le prince Rainier III est décédé à l'âge de 81 ans. Le prince a régné pendant 55 ans et 10 mois sur la principauté, ayant succédé à Louis II, son grand-père, le 9 mai 1949. Ainsi, son fils, le prince Albert II de Monaco, fête ses 18 ans de règne cette année et donc les 18 ans de la disparition de son père. En ce jour, l'archevêque de Monaco, à savoir Dominique Marie David, a dirigé l'office commémoratif célébré ce 5 avril, la veille de la disparition du Rainier III, à la cathédrale de Monaco. Toutefois, l'année 2023 est une année particulière pour la grande famille Grimaldi et pour tous les Monégasques et fans de la principauté. De nombreux événements sont d'ailleurs organisés en mémoire du prince Rainier III. En 2023, le prince Albert II de Monaco et sa famille fêtent le centenaire de la naissance du prince Rainier. À cet effet, le prince Albert II de Monaco et son épouse, la princesse Charlène de Monaco, ont retrouvé les autres membres de la famille Grimaldi devant les marches de la cathédrale. Les tenues de deuil étaient toutefois de rigueur, offrant un triste camail de ton sombre, et ceci allant du gris au noir. La princesse Caroline de Monaco a été aperçue avec ses fils, Pierre et Andrea Cassiraghi, et sa fille aînée, Charlotte Cassiraghi. La princesse Stéphanie de Monaco, quant à elle, en toute jeune grand-mère, est également arrivée avec ses deux filles, Camille Godlieb et Pauline Ducret. Cependant, on peut imaginer que son fils, Louis Ducret, restait au palais pour savourer les joies de la paternité, vu qu'il est devenu papa d'une petite fille ce 4 avril 2023. De ce fait, pour célébrer le centenaire de la naissance de leur père, le prince Albert II de Monaco a été nommé président d'honneur du comité de commémoration et sa sœur cadette, à savoir la princesse Stéphanie, en est la présidente. Il y a quelques mois, dans le discours prononcé par le mari de la princesse Charlène de Monaco lors de la cérémonie de lancement des festivités, le prince Albert de Monaco avait expliqué que la naissance de son père était vraiment historique. C'est pourquoi, à partir du 31 mai 2023, plusieurs événements seront d'ailleurs organisés à Monaco. Il y aura, entre autres, plusieurs expositions au jardin animalier, une promenade de sculpture, au palais princier, à la roseraie et au yacht club, mais également des tournois sportifs, des concerts, des conférences, des galas et un bal. La fête nationale de Monaco de cette année sera alors dédiée à la mémoire de Rainier III et le traditionnel village de Noël rendra également hommage au défunt souverain. Dans tous les cas, de nombreux Monégasques ont été ravis non seulement par cette commémoration du centenaire du prince Rainier, mais aussi par les tendres gestes pleins d'affection que la princesse Charlène de Monaco a échangé avec son mari, le prince Albert de Monaco, à une période où les ragots ne cessent de circuler à propos du prétendu crise conjugale du couple. Dès lors, dites-nous ce que vous en pensez de cette cérémonie en l'honneur du défunt père du prince Albert de Monaco et des princesses Caroline et Stéphanie de Monaco, et nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines publications. Merci et à la prochaine.